je peux te dire que la base de Wawanonette est basée sur moi. Je suis guitariste depuis 30 ans. Puis j'ai acheté des centaines de pédales dans ma vie. J'en ai encore plusieurs. Puis quand on a parti les pédales, j'ai dit, avec tout le monde, on s'est entendu de dire qu'on va créer la pédale parfaite pour moi. Bonjour, je m'appelle Charles Rousseau. J'ai parti une entreprise qui s'appelle Les Artisans Wawanonette avec mon fils Thomas Rousseau. Notre entreprise va concevoir, fabriquer des effets de guitare, donc des pédales d'effets de guitare. C'est des équipements qui permettent de transformer le son d'une guitare électrique pour la rendre plus riche, la rendre plus versatile, pour créer des nouveaux types de sons. Bon, moi, c'est un rêve que j'ai depuis plus longtemps. J'étais ingénieur mécanique de formation. Ça doit faire une bonne vingtaine d'années que je pense à ça. Je joue de la guitare depuis l'âge de 15 ans, donc depuis plus de 35 ans. Après, on va sortir notre première pédale. C'est une pédale overdrive. C'est une pédale qui permet de créer un certain niveau de distorsion, overdrive distorsion. C'est une pédale qu'on a développée pendant les deux dernières années. On a fait des dizaines et des dizaines de prototypes. C'est une pédale overdrive très peu compressée, très ouverte, avec énormément d'options au niveau des diodes, au niveau de la tonalité, au niveau de la force du gain. Puis comme c'est vraiment la pédale de mes rêves, donc celle que moi j'ai cherchée toute ma vie, que j'ai jamais trouvée. C'est que les artisans Wawanonette, le nom, d'où vient le nom? On est à Abenaki. Moi, je suis à Abenaki. Mes ancêtres viennent d'Adonac, proche de Sorel. Thomas est à Abenaki aussi. Dans mes entreprises et dans mes projets, j'essaie de plus en plus d'intégrer cette facette-là de moi. Donc, le studio qui s'appelait avant le studio Nicoration, on l'a transformé pour studio Kiunak. Kiunak, qui veut dire nous, en Abenaki. Puis Wawanonette, c'est le nom de notre ancêtre. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé 3 ans comme employé. J'ai 50 ans, fait que j'ai fait des entreprises toute ma vie. L'entrepreneuriat, pour moi, ça veut dire beaucoup de motivation. Ça veut dire beaucoup de liberté. Ça veut aussi dire beaucoup, beaucoup de travail. Ça veut dire peu de frustration parce qu'on est responsable de ce qu'on fait. Fait que je vous dirais que chez moi, je ne sais pas si je suis né avec la fibre d'entrepreneuriat, j'en suis pas sûr. Mais ce que je suis sûr, c'est que je ne suis pas né pour être un employé. Fait que je suis devenu entrepreneur un peu par défaut.